programmé Gilles Verdez et Francesca Antonetti. Sachez qu'on les a reprogrammés. Et là, Gilles Verdez, quand je vais dire un truc, il va avoir envie de faire pipi, mais il a envie, mais j'ai dit envie. Ah ouais, mais il bougera pas, voilà, regardez. Comme si rien n'était. Et Francesca, en fait, Francesca, elle, ça va être autre chose. C'est-à-dire que quand elle va entendre le mot odeur, elle va être persuadée que les personnes à côté d'elle ne sentent pas bon. Non, bah, ça commence déjà. Ça y est. Déjà prononcé les mots. Hein, voilà, c'est pour désodorisant, désodorisant. Merci. Francesca est entêtée actuellement, top tweet, bravo. Franchement, ça vous fait plaisir? Mais c'est pourquoi? Bah, c'est pas, ça peut peut-être vous rapporter des sous, mais n'oubliez pas que l'argent n'a pas d'odeur. Des sous? Vous allez me payer beaucoup? Non, c'est pas moi ça. Je voulais juste dire l'argent n'a pas d'odeur. Ah. On a appris de nouvelles choses à propos de l'affaire Johnny Hallyday. Très vite, on sent que ça chauffe un peu. Hein. Ah oui, là ça chauffe, là ils se retiennent. Pardon Francesca? Ça pue trop franchement, je me sens pas bien, j'ai envie de vomir. Non mais vous inquiétez pas, c'est rien. Mais je vais vomir, je vous jure, ça pue. Désodorisant. Merci. Oui, alors donc. Voilà. C'est très con. Merci, c'est bon. Gilles. C'est vous le chef. Oui. C'est vous le chef. Oui, bon. Il n'était pas content, le chef, tout à l'heure. C'est vous le chef. Il est hypnotisé, il est ouf. C'est vous le chef. C'est lui le chef. C'est le chef. C'est le chef. Un chauffeur de taxi circulant sur l'A86 en Seine-Saint-Denis a filmé un homme circulant sur une trottinette électrique à 85 km/h. La vidéo a été vue plus d'un million de fois sur Twitter. Alors, justement, on a envie d'en parler. Est-ce qu'il faut interdire les trottinettes? Ah, qu'est-ce que j'ai dit en fait? Il a dit un mot. Qu'est-ce que j'ai dit comme mot? C'était quoi le mot pour qu'il ait envie de faire pipi? C'était envie. Ah, envie, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, attention, il y a des fils électriques. Mais pourquoi il vide sa bouteille? Mais non. Qu'est-ce qu'il a? Il faut dire soulagé. Non, pipi, en fait. Soulagé. Regardez. Tu fais ce que tu veux de ta vie, merde. Gilles Verdez. Mais t'énerve pas comme ça. Voilà, merci. On va passer. Il y a des amendes hein, quand même. On va passer. Il risque 150 euros d'amende, mais s'il est prouvé qu'il met en danger la vie des autres, il peut y avoir emprisonnement et 15 000 euros d'amende. C'est pas assez, 150 euros d'amende. Je suis désolé, c'est une grosse somme, mais c'est pas assez. Énerve pas. Voilà.